Hey, salut les gens, c'est Slan, on se retrouve sur Oxygen Not Included et aujourd'hui ça va piquer parce qu'on meurt de faim littéralement. Donc j'ai ordonné que l'on tue quelques bestioles. J'ai demandé à ce que l'on vienne tuer deux dracos brillants, deux gloutons pour faire de la viande. Normalement on va venir récolter ça aussi, j'ai coupé les collecteurs de façon à ce que on puisse manger la viande directement. Mais vérifier qu'on puisse tout consommer directement aussi. C'est bien le cas, mais il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que tout le monde puisse se nourrir. Ensuite, les gros projets, on va relier l'hydrogène. On va refaire l'hydrogène parce qu'il est en fer et il n'est pas en acier, donc il va péter. Celui-là, ça tient encore, mais les autres, ils sont déjà. T'es à combien de degrés, toi? Ça va, maintenant tu te surchauffes, puis maintenant que t'es en acier. Ah, bravo. Cette cheminée, c'est un très 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 gros projet. On va refaire un petit peu d'électricité pour petit à petit. Commencer à embarquer un petit peu tous les circuits sans qu'il y ait de surchauffe. Hein. On les travaillera doucement à l'occasion. Aujourd'hui, j'ai l'intention de refaire ça légèrement, de faire celui-ci. On verra. Et puis surtout, on va réactiver les recherches. Ah, et surtout, ils pètent les plombs. Ils pètent tous littéralement les plombs. Là, il n'y a rien à faire. Ils sont tous complètement barjots. Et pour l'instant, je peux pas faire grand-chose contre ça, hein, je vous avouerai. Ici, du cuivre, ouais, mais je voudrais aussi du fer et du fer en acier. En fait, du coup, là, est-ce que je vais avoir besoin de 800 aciers encore? Alors, il y en a qui sont à l'attaque, c'est très bien. Il y a des alertes jaunes sur un astivère. Ça me va bien. Alors, les combinaisons Atmo, elles n'ont pas été mises là, et pour cause, ça, il faut le réactiver. Sinon, on ne répare pas les combinaisons Atmo. Bon, il y en a 10 qu'on fin. Je sais pas quoi dire. Viens démanger. Et hop. Manger, manger, manger. Plus qu'un. À un moment, je commence à y croire un petit peu. Je me dis que les nouveaux ont pas si faim que ça et qu'ils pourraient attendre demain. Non, c'est pas vrai. 8, 7, 6. Mais mangez, 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 mangez. Regardez, Piam, il vous sort des trucs là, allez-y. Ah, j'ose pas leur donner des ordres. De toute façon, il y a des trucs à faire. Vous êtes heureux là quand même? Pourquoi vous avez le moral comme ça là? Princesse Poisson, Féa, Jocha, Yvan. Alors Féa, à mon avis, là où on a un problème, c'est ici. Donc pour l'instant, on va empêcher de les aller là. Parce qu'ils prennent trop, 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 trop de pression d'air. Et pourquoi vous êtes encore 4 ou 3 à avoir faim? Non, finis ton truc. On a trois confins. Purée. Ardarine, je lui ai demandé d'envoyer de la nourriture. Donc il en a envoyé des masses. En fait, il a tout envoyé ce qu'il pouvait. Du coup, je vais dévoyer ça.
pourra donc temporairement venir récolter et manger ici. Il n'est pas affamé. Il n'a pas de nourriture, mais il va en trouver. Bon, en attendant, j'espère que tout ce qu'il a envoyé, ça a aidé. Oh, file-moi des... Non, non, file-moi de la bouffe. Bon, on va planter ça en attendant. On va travailler sur ce circuit électrique aussi pour cette ferme, justement parce qu'elle n'est pas alimentée. On va travailler sur la correction de celui-ci. On va démonter ça. Hop là. Faut travailler un petit peu de toute façon, hein, donc même s'il y en a qu'on faim. Il y a quand même un moment où il faut leur donner des ordres. Mais ils pètent les plombs. Un peu trop fort à mon goût. On va faire plus de tables de massage. Non, on va la mettre en public. Voilà, ça pourra aider. Le générateur, tu vas le démonter de toute façon. Alors là, ça pète et c'est dû à un problème ici. Je vois que personne n'a faim, alors je vais en profiter. C'est plutôt un bon moment pour casser ça. Et ici, mettre ça là. J'ai demandé de ne pas remplacer ni là ni là. Et on y va là. Il y a encore des trucs à construire, hein. Ils font ce qu'ils peuvent quand ils peuvent. Et on va se préparer pour le prochain ici. Je pense que ça va être ici le prochain. Mais tout d'abord, on a la possibilité de récupérer pas mal de ressources ici. Voilà. Bon. Là, il y a un truc qui est cassé, ils vont venir le réparer. Quoi qu'il n'y aura peut-être pas besoin maintenant. Ne devrait plus y avoir besoin puisqu'ils sont sur 2000, ils sont sur 1920. Mais faites-moi ça. C'est nickel. Non, 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 t'énerve pas. T'es en acier, toi? Ouais, aussi, t'es en acier. Alors là, j'ai interdit qu'on y aille, donc fatalement, ils y vont pas, hein. C'est toujours une bonne excuse, mais là c'est vrai que faut avouer. Alors pourquoi éclairage? Ah bah oui, bah on n'a pas encore mis le setting justement, j'étais en train d'en parler. Donc ce setting ici, il va consister à passer par en dessous, ce coup-ci on n'a pas le choix. Et ensuite, à relier tout ça. Là, pour le coup, c'est tout. Sauf les œufs d'astivère. Voilà. Ici, normalement, on avait un problème de pont de convoyeur qui est pas dans le bon sens. On a encore confin. Il n'y avait pas un œuf d'astivère ici? Et il y en a un là. Incubation 79. Déconstruis-moi ça aussi. Ça y est, il a fait le dernier. Et on va faire un petit bac de stockage pour les œufs d'astivère. Bon, c'est qui ce gars qui a faim là? C'est du Jetto. Qu'est-ce que t'as du Jetto? Il pleurniche. Faut que t'ailles manger du Jetto.
Il y a de la nourriture, regarde, il y a 11 000. Alors, l'œuf d'estiver, en urgence, s'il vous plaît. Ici, ça avance bien. Mais là-haut, ils savent pas quoi ramasser. C'est pas très grave. N'a pas envoyé d'engrais pour le moment. Pas très grave. Ça, ne plus utiliser. C'est trop de travail. On a plein d'autres boulots à faire ailleurs. Et ici, il faut déconstruire. Il est là, mon œuf d'estiver. Quoi? Il y en a trois? Mais non! Il faut pas prendre les œufs d'estiver, vous. Le souffle non plus. Excellent. Ça m'arrange pas super si je tire, hein. Allez, ils sont 5 à avoir faim. Il n'y a qu'un seul ordre. Merci pour les œufs d'estiver, je ne sais même pas d'où ça vient. Voilà, parfait. Au moment de travailler, il n'y a qu'une seule personne qui a faim, c'est Gara. Je parie qu'il va se trouver de quoi se faire à manger tout seul. Là, on est bien. Est-ce qu'on a de l'acier? Ça ne monte pas beaucoup, mais bon. Pourquoi t'es pas content, toi? Irrigation parcelle agricole inexploitable. Ok, c'est une petite erreur de casting. C'est une erreur de casting. Ensuite, on a quoi ici? Température? Ouais, voilà, là c'est la température pour le reste par contre. Mais avec toute l'eau chaude que vous allez recevoir, vous inquiétez pas. Donc, vous ici, vous récoltez tout. Sauf les œufs d'estiver. L'engrais, puisqu'on le dépose nous-mêmes. Et le soufre. Pour moi. On est bon. Ah bah oui, ils ont des trucs à envoyer là au début. Hein. On n'a jamais fait le ménage ici. Là par contre, j'ai l'impression que ça passe pas. Ah ouais, il manque un petit pont là. Hein. On est d'accord pour dire qu'il manque un petit pont. Allez hop. Donc là on avance bien, on a dit qu'on allait faire un petit truc ici aussi, tiens. Donc évidemment les jours défilent moins vite que d'habitude puisque je fais les plans au fur et à mesure, contrairement à d'habitude. Au moins comme ça vous me voyez réfléchir. Alors d'habitude c'est le genre d'épisode que je fais comme ça, puis à la fin je joue pendant 1 h 30 plutôt, je fais tous mes plans parfaits et après seulement je tourne. Là, je me suis dit qu'on allait tenter direct. C'est pas gagné. On sait jamais.
Je rappelle que l'objectif final, c'est d'aller faire la cheminée là-haut. Hein. C'est quoi cette alerte? Mon pont de courrier, tout à fait. Alors ici, nous allons avoir besoin de dépôts de créatures. Voilà. On n'a qu'une seule famine. J'aimerais bien mettre celui-là. Parce que depuis le temps qu'on a tout ce qu'il faut pour le faire. Ouh, toi, t'as un œuf de carapoc pile poil là, tiens. Je t'ai eu. Il y en a d'autres. 4 unités. Comme là, il y en a 3. Donc c'est bon. Voyons ce que ça donne ici. Il y a beaucoup d'œufs, hein. On va arrêter les dégâts avec les œufs. Ça doit plus reproduire tellement il y a d'œufs. Œuf de glouton sage. Hop. Hein. Copier les paramètres ici. Allez, on s'en va. C'est quoi là-dedans? De la terre. Ah oui, mais il faut arrêter la terre. Maintenant, là, ici, il faut copier les paramètres là. Et ici, il faut copier les paramètres là. Allez. Et ben voilà, et puis tous les œufs ils sont là. 1, 2, 3, 4, c'est tout. Ça va encore. Là, ils sont que 2. Et là, ils sont 6 quand même. Hop là. C'est où les alertes? Le panneau solaire. Les trucs d'est hiver. Ah oh non, par contre, j'en veux que 4. Hein. Peut en avoir pile poil 4 et j'en ai besoin de 3 pour m'occuper des plantes. Donc en admettant qu'il y ait une chenille ou un œuf. Voilà. Mon Scaradou, le problème, c'est qu'il a vraiment peu de chance de faire des œufs comme il faut. Donc autant qu'il serve à faire de la viande. J'aime bien le fait qu'ils aillent mourir plus loin, plus tard, quoi. Allez, je chasse. Bah, t'es pas un vrai constructeur, donc ça pourrait prendre du temps, mais bon, apparemment, ça passe. Nickel, juste à temps. On peut y aller. Il y en a deux en famine, 3, Pauline, Yam, Josha, je suis pas étonné. Bon, bah, la cheminée, on va pouvoir avancer peut-être ici. On a de l'acier ici. Alors, l'idée, ça va être de décaler ça. Et même beaucoup. Parce que là, moi je veux faire un airlock ici, donc un petit peu plus haut, et une porte ici, donc un petit peu plus haut. Mais après, il me faut 3 places, 1, 2, 3, puis un truc pour fermer. Donc c'est jouable. C'est jouable, il faut juste déplacer des trucs ici. C'est d'autant plus jouable si on les démonte, hein, évidemment. Il n'y a pas d'urgence à faire tout ça. Voilà, hop. Le rail, il va partir d'un tout petit peu plus loin. Voilà. Et l'énergie. Voilà. Câble électrique. Voilà. On va les laisser faire tranquillement. Et ici, on va s'apprêter à faire aussi un truc. Hop, plaque de jonction, plaque de jonction. Câble de puissance, tac, tac.
Deux transfo, comme partout, en fait, hein. Deux dalles ventilées. Dalle normale. Deux portes automatiques. Un câble conducteur. Voilà. Il faudra relier ça aussi. Que si je fais ça, il va me falloir une échelle. Et il faudrait ensuite venir enlever tout ça. Voilà. Un petit chantier qui va permettre d'isoler tout ça sur un circuit à part. Encore une fois, on essaye de purger les circuits. Pareil, la ferme, elle va être isolée, elle va être rajoutée sur celui-ci parce que celui-ci, j'ai vu qu'il consomme absolument pas ce qu'il pourrait consommer. Donc, juste, on pourrait le faire en fer en fait. Non, on ne pourrait pas le faire en fer du tout. On n'a plus de fer. Ouais, mais on est en train d'en faire du fer, donc au final. Et donc du coup, je pourrais venir démolir tout ça. Le seul problème, c'est que ça va être super chiant de venir démolir tout ça. Mais on va le faire quand même. On va le faire quand même. Hop là, donc du coup on annule l'arrachage. Là ça va faire celui-là, et pour faire celui-là, bon, on va faire celui-là. Go. À la base, c'est juste pour faire ça d'abord, dans un premier temps. Donc du coup, l'échelle, on peut la déconstruire. Hop, l'échelle, on peut la déconstruire. Celle-là, je crois pas, non. Alors, les câbles électriques. Voilà. Celle-là aussi, on peut la déconstruire. Et celle-là aussi. Et maintenant, on va copier les paramètres partout. Voilà. Hop. Bon, l'électricité ici. Eh ben, pour l'enlever, ça va être encore plus compliqué. Faut venir éponger dans un premier temps. Puis tout ça, c'est bien beau, mais là-haut, on a pas ce qu'il faut. Joshua et Boudaf. Voilà. Zou. Alors maintenant, il n'y a plus que à faire tout ça. Ah bon, en mettant un œuf, ça serait peut-être plus facile. Ils viendront me le finir.
Parfait. Donc ça marche plus. Tant que ça ne marche plus. On en a 8 de stressés, mais c'est moins qu'avant maintenant, hein. Et là, ça marche bien. Là, c'est en train de tout ramasser, tout propre. On voit bien qu'il manque un tout petit peu de température. Mais je continue à mettre mes plantes sifflantes parce que l'eau qui va tomber de là, elle est chaude, quoi. Elle est chaude. L'eau, elle est à 66 degrés. Et quand elle arrive là, elle est à combien là? Elle est à 11 degrés là. Et elle va chauffer. Elle va chauffer. Ça va le faire. J'ai plus peur de l'inverse en fait, en vrai. Oh, ça a pas mal bossé là finalement. On pourrait finir ça. Donc finalement, on aurait pu faire. Ah non, c'est pas là. C'est clairement pas là. 1, 2, 3, ce serait plutôt vers ici. Ouais. Hop là. Alors on viendra travailler là plus tard. Pour l'instant, la personne ne passe. Ça vous énerve. Puis on n'a pas l'acier pour l'instant. Si. 175. Dis donc, t'en fais de l'acier ou t'en fais pas de l'acier? Bah, tu viens travailler ou tu viens pas travailler? C'est ça la question aussi. Vous n'êtes pas toujours en train de vous faire masser là toute la journée? Bon, j'ai pas mal avancé. Il faudrait avancer un peu sur ma cheminée, mais j'ai pas mal avancé. Et je voudrais avancer ici aussi. Ici, je pourrais avancer. Ici, je pourrais avancer. Équipement seulement. Go. Il y a encore pas assez à manger, c'est fou ça. On se bat à longueur de journée pour avoir de la bouffe, quoi. Et je vais pas retuer des bestioles. Hein. C'est à vous de bosser, les gars. Tiens, bah non. On va faire des brochettes. Oh, 3000 de charbon. J'avoue, je prends. Garak est en famine, il ne peut pas sortir. Allez, go. Un petit coup ici de tout. Voilà. Ça m'intéresse pas. Et un petit coup ici aussi. On va essayer de tout refaire. Et j'aimerais bien voir ce que font lutin et fer. Ah bah forcément, dès qu'il y a des alertes, ils y vont.
Yep. Il n'y a que deux affamés et 80% de stress. Ça commence à aller mieux qu'avant, hein, quand même. Hein. Il est au plomb ce truc-là. Bah ouais. Vous allez me dire, je vais peut-être le démonter. Bah oui. Bah oui, je vais le démonter. Encore un truc au plomb. Yep. Soixante alertes jaunes, il est temps d'arrêter. Ben, ça me paraît très bien. Ça me paraît très bien pas mal. Je vois encore 5 alertes, poste de contrôle et câble. Ok, ça me paraît bon. 1, 2, 3 et 4. Nickel. Bon, bah donc ici, on va revenir faire ça. Hop. Puis on va déconstruire ça, déconstruire ça, déconstruire la porte. On va démolir ce petit câble énergétique et on va faire à nouveau un airlock. On va mettre ça là. Alors, il faut pouvoir aller nettoyer à deux cases. Hein. Donc. Voilà. Alors, je sens que tu vas y passer toi aussi. Hop là. Je vais faire une toute petite pause, vérifier que tout est bon, voir s'il y a d'autres trucs à lancer que j'avais prévu de lancer et que j'aurais oublié. Là, par exemple, ça, je l'ai laissé en plan. Le fer. Je vais regarder ça off-cam et on reprend tout de suite après. Alors, il y a tellement de choses que j'ai envie de faire, malheureusement. Malheureusement, on va pas pouvoir tout faire. Alors, ici. Ici, on va démonter ça parce que plus tard, en fait, je voulais faire. Je sais pas pourquoi je voulais faire un airlock. C'est pas un airlock dont j'ai besoin. C'est une station. C'est une combinaison. C'est un airlock qui change rien. En fait, il aurait les oreilles pétées en arrivant là-bas. Donc c'était une combinaison. Il me fallait deux cases pour faire la combinaison. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Bah ici, j'aurais voulu envoyer le charbon, mais j'aurais pas le temps. J'aurais voulu aller récupérer l'hydrogène et l'envoyer, mais on va se focus vraiment là-dessus, là-haut, sur le fait de manger, ce qui est pas encore gagné pour ces. Oh là là. Il y a un œuf là quelque part. Ouais, je le vois, tiens. Hop. Voilà. Faut manger. Elle est prête, celle-là, je vais la récolter, tiens. C'est bon, une laitue. Ça fait plein de nourriture. Hein. Allez, ça c'est bon, c'est fait. L'électricité, ça passe là maintenant. Hein.
Un 33, un 33, un 33 qui arrive là. Très bien. Bah, du coup, moi, je vais couper ici en bas. Hop là. J'ai réactivé les recherches. Un peu peur pour mon énergie, mais bon. Ici, j'ai réactivé le bois. Et ici, j'ai autorisé l'utilisation manuelle de ça. Et tout ce que j'espère maintenant, c'est... Ah, ça serait bien qu'on fasse ça aussi. Ah, ça va se faire tout seul, je pense. Ils vont le faire, hein? Ouais, ils vont le faire. Sont en train de le faire. Par contre, je comprends pas, c'est quoi cette grille? Voilà, ici, ils pouvaient venir démolir tout. Et puis tout ça aussi. On va préparer la chambre. En neuf, hein, on force pas. Hein. Ça me manque un tout petit peu de précision, mais bon, c'est... Hop là, donc là on va faire en cobalt. Puis on va faire celui-ci. En fer. On va peut-être avoir besoin d'une porte ou deux. De quelques échelles. De quelques lits confortables. Et surtout, pour finir, une petite moulure. En obsidienne. Voilà, on laisse tout ça en neuf. Et ça se fera sa petite chambre tout seul. Voilà. On touche à rien. Comment ça, il y a quelqu'un qui a faim? Végéto, tu peux aller manger? Bah, faut y aller, j'ai pas mis d'alarme et tout, hein. Est-ce que là, ils ont fait? Ils ont un peu fait, mais bon. Va sûrement devoir forcer un tout petit peu. C'est pourtant pas mon genre, hein. Alors là, oui, il n'y a plus rien, mais attendez, on peut tout réactiver. Sauf la terre. Alors tout, sauf le sol cultivable. En même temps, pour l'instant, il n'y a rien à envoyer. Tiens, on peut rien envoyer ici. J'avais tout désactivé aussi. Bah, tout sauf le soufre. Sauf les autres créatures. Parfait. Ça va être pour envoyer la cuisine. Bon, les gars, vous me faites ça là. Et on démarre là-haut. Go. Minage. Et d'ailleurs, minage, il y a aussi tout ça à faire. On est bien en granit là. Et aussi ça, tiens. Bouddha fait la fin. Il passe pas là. Ça, c'est des petits trucs de rien du tout. Ce sera fait dans 2 secondes. Comment ça, ils sont 50 à avoir faim là?
Allez, allez. 1, 2, 3, 4, 5 encore. Là-haut, c'est 126 et c'est loin d'être fini. Alors, vous pignez pas. Et voilà. Et voilà. Alors, combien il y en a qu'on fait? Akatsuki, est-ce qu'il est là-haut? Akatsuki, tu t'en vas. Hop là. Jeto, je crois qu'il a pas la forme. Non, Jeto, on va l'interdire de passer par là. Qui c'est qui est encore énervé? Yvan. Akatsuki. Donc, Jeto, il est là, c'est bon. Yvan, il est là, c'est bon. Et donc, Akatsuki, par contre, je le déplace. De préférence, bah là, quoi. Go ici, 125. À manger là. Et là, c'est toujours pas alimenté. Ah, mais alors pourquoi? Ah, ça n'a rien à voir. La ferme, elle est reliée là-dessus. Ah, bah ça y est, elle est reliée. Ah, par contre, il y a un petit truc à venir. Attends, attends, attends. La partie haute, elle n'est pas reliée là. Ah, les gars, vous bossez bien, mais vous n'êtes pas nombreux. Hein. Qu'est-ce qui se passe au niveau des combis? Bah, c'est parce qu'il en manque plein. Elles sont où les combis? Bah, elles sont là, mais elles sont jamais amenées. Bah, tu m'étonnes que ça avance pas. Super, mais bon. Bon, demain ça ira mieux. C'est loin, le trajet est long. On va leur laisser temps d'entrer. Sauf là parce que là t'es en train de bosser, non? Tant pis. Pas flagrant ce qui a été fait. J'imagine qu'il s'agissait beaucoup de livraison. Allez, il faut nourrir. Fertilisation. Ils font quoi là, les Yaosis, les Piem et tout ça? Est-ce qu'ils passent de l'autre côté au moins? Aminou. Piem, bah ça aide pas. Yaosis, eh, vous avez des plantes là, vous occupez les gars. On est toujours en train de ramasser des trucs là. Bon bah là ça tourne. Par contre il n'y a plus de charbon. Donc moi je vais faire ça. Il n'y a plus du charbon. On va appeler 10 tonnes de charbon ici. Parce que sinon ça va être la panne sèche et ça va pas être cool. La station. On peut la faire maintenant en fer? Ouais.
Ah, je pourrais presque la faire en acier, tiens. Allez, zou, hop. Alors ici, hop, j'ai tout, sauf les œufs, hein, parce que les œufs, c'est pas bon. Hop. La bouffe. Pas ce que je voulais. Je suis triste et déçu. Alors là, du charbon. 9. Bah, je vois pas la différence avec ça. Hein. John Yamaken. Bah non, Liam, non. Yvan, il va mieux. Yvan, il va mieux. Un Ken. Et Liam. Et John. Ok, ça me paraît bien. Bon, ils vont quand même essayer de remplir le charbon, mais ça pourrait aller très vite pour amener les 10 tonnes. Arrête de faire ton kéké là. Bon, bah 8 tonnes 5, moi ça me va très bien. On déconstruit pour le moment. Allez, go. Il y en a plein qui ont faim. Il n'y en a plus que deux. Un qui a faim. Et rien n'empêche d'aller manger. Donc, go. Alors ça, c'est bien, les gars. Je veux pas faire de la roche magmatique, les gars. C'est du granit qu'on fait. Là, on avance bien, par contre, hein. Et hop, on vous laisse repartir. Je suis assez content de ma journée. Si personne ne meurt, je suis très content de ma journée. Parce que je me dis qu'on va peut-être pouvoir finir ça. Alors ici, j'aimerais que vous veniez déconstruire ça. Déconstruire ça. Déconstruire ça. Et faire une échelle ici.
Je vais y arriver à mettre ma station ici. Là, normalement, ça sera mon arrivée de... En plastique, là, de tube. Ok, il y en a encore 9 qui ont faim. J'en ai marre que les gens aient faim le matin. Et qu'il n'y ait pas de bouffe. Et qu'il n'y ait pas de bouffe. C'est pas vrai. Il y en a marre. C'est quoi ce truc? Un mini carapoc? Il y a un œuf de carap. Non, ça c'est un œuf de Draco, ça. Combien il y a d'œufs de carapoc ici? 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a encore un qui se bat dans la nature. Allez, go. Malvin et Akane, ils ont faim. Les stressés, c'est Karine, princesse poisson. Donc. Il y a juste Karine. Et ceux qui ont faim, c'est Aken et Toufti. Ok, bah dis donc, il y a du boulot qui a été fait là. Ils sont en train de finir là. Bientôt, il n'y aura plus rien à faire. Allez, go. C'est con ça, c'est con ce que tu fais, c'est con. Déjà là, c'est limite. C'est pas vrai, vous le laissez vraiment tout seul? Vous savez qu'il va faire ça toute la journée, hein. Vous seriez côte à côte, ça irait 10 fois plus vite, hein. Parce que là, techniquement, tu sers à rien, hein. Ouais. Mais ça va tellement vite. Et hop là. On peut pas dire que ce soit fini, mais on peut pas dire qu'on en soit trop loin. Quel âge il a, lui? 80 ans, il a fait son bébé. On va pouvoir l'attaquer.
Il y en a encore qui ont un peu faim, quoi. Ah, il y a du stress. C'est Princesse Poisson. Je l'avais pas bloqué. Mais c'est stressé en faisant quoi? Pas vrai. La boulette. Est-ce que j'ai 975 d'acier? Yes! Yes. Ça me plaît. Là, pour le coup, tout ça me plaît beaucoup. Ma princesse poisson. Je l'avais pas bloqué. C'est bizarre qu'ils aient pas faim là tous. Bon bah moi j'y vais hein. Alors on peut aussi les capturer plutôt que de déplacer les œufs. Mais c'est chiant. Et surtout, hop là, on va démolir ça. On va faire ça. En granit. Il y en a encore. On fera jamais le dernier. Là, je veux bien le croire. Hein. Alors ça, c'est pas un chemin, hein, les gars. Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce que vous faites? Je suis en train de verrouiller ici aussi. Mais n'importe quoi, les gars. Voilà.
Et hop là. Et c'est quoi la dernière alerte? Ah bon, on peut pas y aller. Bah on va mettre en neuf hein, parce que n'a pas que ça à faire. Bon bah voilà, finalement j'ai réussi à faire ce que je voulais faire. Et on a 36 000 de bouffe d'un seul coup. Yes, et les recherches. Ah les recharges, ça a pas passé à cause de ça. Quand on recharge, ça marche pas. Mais là c'est fait. Là c'est fait. Hey, est-ce que j'ai du plastique? Un petit peu. Un petit peu, un petit peu. Suffisamment pour aller coller un lit là. Alors, il y en a qui ont faim, mais normalement on s'en occupe plus là. Hein. Alors ici, ils ont trop chaud ou trop froid? Je me demande s'ils ont pas trop chaud maintenant. Ah voilà, ils ont trop chaud. C'était prévisible. Avec l'arrivée de l'eau là. Cette eau, il faut s'en servir pour autre chose. Et il faut se servir d'une autre eau pour ça. Ça donne la quantité, certes. Mais il faut que j'envoie cette eau ailleurs et que je récupère de l'eau reconditionnée d'ici. Il faut que je l'envoie faire de l'oxygène, par exemple. Ça risque de réchauffer un peu l'oxygène et la salle, mais on a vu qu'elle était sacrément équilibrée quand même. Hein. Elle bouge pas d'un iota. En même temps, c'est parce qu'elle reçoit de l'eau à quelle température? À 24 degrés. De l'eau à 40 degrés va pas lui faire peur. Donc, très clairement, l'eau d'ici, elle va aller partir. Partir là-bas pendant que cette eau-là déminéralisée elle va aller annuler. Voilà, on fera ça. On a isolé les salles donc on n'aura pas de problème. Bon, bah, moi je vais m'arrêter là. L'épisode n'est pas très 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 long du coup, mais j'ai fait ce que je voulais. Ici, j'ai pas de combi, mais ça ne saurait tarder. Normalement, il y a de l'air qui arrive. C'est ça? Ouais, il y a 7 kilos d'air. C'est pas encore vraiment, vraiment, vraiment fun, mais c'est déjà pas mal. Ici, il faut que je renvoie des trucs vers la cuisine. Ici, il faut que je renvoie le charbon. Il faut que j'aille chercher l'hydrogène, que je le capte, que je fasse une fusion ici. Voilà. Que je fasse une grosse fusion et que je fasse ici la nouvelle station de combi avec une douzaine de combis par contre pour aller en haut. Et puis bah il y a des panneaux solaires qui vont virer hein, quand on va faire notre passage. Mais là déjà avec l'arrivée du charbon, parce que le charbon on en perd encore un peu, mais avec l'hydrogène ça va aller mieux. Et puis bon, l'énergie consommée ici va pas toujours être aussi importante. Hein. Voilà. Bon, bah, je suis assez satisfait de cet épisode un peu fourre-tout, mais au moins on a fait la cheminée. Au moins le dioxyde de carbone va commencer à dégager. On a 33 kg de pression, il n'y a aucune raison de penser que ça monte pas. Ah, par contre, là j'ai fait une erreur dramatique. Alors là, il y a une erreur dramatique, là clairement. Ça sert à rien d'avoir la combi pour aller là si on met le. Là, il y a des petits correctifs à faire, je vais le mettre tout de suite. Pour pas l'oublier. Voilà, on verra comment on procède pour faire ça. Je pense qu'on va creuser hein, tout simplement. Hop là. Voilà, on va refaire ça. Là, ça plus propre. Là, je vois bien que c'est aussi hein, comme ça qu'il faut mettre, sinon c'est pas joli. Et puis ben on va continuer. On va continuer nos trucs électriques. Pour l'instant, ça se passe bien. On va les réformer que au besoin. Ouais, je traîne un peu là. Allez, je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Et à tout de suite pour la suite.